Merci, Ramoneur. C'est très gentil à vous d'avoir sauvé mon petit garçon. C'est un petit imprudent. Il s'est fait prendre au piège et c'est pas la première fois que ça lui arrive. Ah, à propos, mes petits amis, je vous conseille de prendre garde aussi. C'est pas les pièges qui manquent dans ce vaste royaume de tachycardie. Piège à enfants, piège à oiseaux, piège à... Mais vous ne m'écoutez pas, hein? Vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu. Et moi qui vous parle, j'ai beaucoup voyagé. Le monde, j'en ai fait le tour. J'ai vu les chutes du Niagara, les cloches de Corneville, la tour de Londres, la place d'Italie à Paris, le canal de Panama et la fête à Neuilly. Merveille du monde, quatrième leçon. Allons, allons les enfants. Le monde est une merveille, il y a le jour et la nuit, il y a la lune et le soleil, les étoiles et les fruits, et des moulins vont, il y en a aussi. Le monde est une merveille, il y a le jour et la nuit, il y a la mer qui est profonde, il y a la terre qui est toute ronde. Pourquoi est-elle ronde ? Parce qu'elle tourne. Pourquoi tourne-t-elle? Mais parce qu'elle est ronde. Comment tourne-t-elle? Autour du soleil.